Awa bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïd posat ma bisa fangili, titikota gundum la tila ronkontaba, dunila lahre. Lilin nam posat ma bisa, ti video kanga hawa wa yam nenge, bi modoron pataz wiso wolay, modoron mane, like ram wiso wolay, modoron man, commentaire dam wiso, la pataz wiso maximum, parce que, ya Burkina Faso l'armée wa hantum tum ninga, la ton dati neba bange. L'armée wa tuma tum ninga, yaka zilim be dam ba handa yete de ti ya bud lab kuda et nan ke ngame de ngento nge he e nyamba ngame ti teruli la ma abrali ga temse ti nan to l'arme wa handi be ne le bra nan di population wa la han ke tawri et nan ba population wa gwa menga ti yam chelere ade l'arme wa handa ri e teruli la ma handa ri ten ni zawa abre za ting ninga bonti barabule la buro la Awa bere sa peti goli, la fili fili, la gode. Awa temsa yu ya la otone. A temsa yu ya, pipi osa ala ya mnyawa, nye ya barabule. Dezeyama, nye ya buro. Trozeyama, nye ya peti goli. Katriyama, nye ya fili fili. Senkiyama, nye ya gode. Steluri yu da malari ya bama fangili, nye ya ola, mwotoko dinebu ni son vui bewa. La bangete son vui bewa, ina wabahamti ikele kabugwama. Ya silmi hi la hangomna la bi atonu mabizwe ya silmi si abi atonu mabizi ton no ngobla wenna mi ngente to mi nga donc ni gamti larme wa panyake na nkude bonni wala nebni sinda tin yak larme wa raw hangomna ye la metimo elam to panta wa suka yinda tin yetara bugura adbi ni ye tin patal bugura we to kien fu inje la bi la me arpa yam la ton hamba wotay la bi lebre to bna lo tin ye la bi ya mani sugu la rabah ton kai Nyam san ba ton kan lure ton telu ya mahali bo abdan ku ton do tilar mo mikti haya woto ne abnan talab la men nan tal na escort ne burum te fanjili on wane jibo la ban na escort mo wane waya jusqu'à 500 personnes ne ko binu on wane jibo on wanan de un ko riwo la ton bum ninga afan so mamane la ya point man mo hati ne ni songu wadan yakada wala hindi angap taurin yakati ya silmi hilab kuda wala hambe redo soso wa zuguti ya biyo kulab mana no Burkina Faso buwe lisa kabebe no ton faya bumba yemri faya silmi ga faya egal ne buda taba faya mwaka faya egal ne buda taba fuhuwa toko ya buning van faya egal ne buda taba Burkina Faso buwe lisa kabebe hampa muna fika sa la nasaru yem sa hon wam mpira hineba zuta njizib zuta bumba ningi ya soma mandiba wenga suibe nwa hampa bamba Ampa ba man taay do to ne ne baay mon patta ka nyaway mun wi da metti larmo pa je larmo antum professionnalisme monel ni ngama Allahu akbar am to on diye rabla miya on won ni ngib jibo ya to bi kam sa je contre la rib zalem contre la koum zalem contre la route zalem ti ni pam ye la mengi neba meng hante mo da ya ya pam pam nan to ko ngusne yunga ti da bien patta ne bna wayi kun kubla moye route ni je mon ko ba yam en to no do na pa ba man da ti mo ya zbeni Le ya bon ti neba wakati wiso mi yik yaka ziri. Ti kien ka yika ne Burkina Faso. C'est la même. Ya bumba yemre. Ya bumba yemre. Ton yabra mba yi bumba yemre. Ton me ketin na yi bumba yemre. Insha Allah. Halen to kon talen ton. Duni wahna wa yik wakati ninga. Lili wini kdame. Ton yaka hita neba ni zeb. Hon yetop ti larme wa mana oto. Larme wa mana oto. Wallahi larme wa puma me. Ne professionalisme le zuzien kre. Adam won wan kombi ni je la bon wan kombi ni je to be yon hein nyam nyam ade ne ba suya no mo ha to bi ke yin dem ne ab suya no am to bi ka yi ka ni ya yi ne la faraba yi ne sa wode be te lu li de ma yi wa foten to sa wode la ay wa dilin nan te ko to ni ti wacce le gay bamba te mo ya zame nga insha Allah ay wa dilin pa yi mi nan te ti gar ma bi sa ti video ha wa yam ne bi mo do kon patadu so Laimane laikram wiso ay ndinu gubila han te hding la laiman commentaire dam wiso han partage ram en som hna yi wiso som yi da parce que ya hna yi le neb ni je pen ya munafiqa ta to ram bang te Burkina Faso l'arme c'est numéro 1 au port de Djibo la capitale du Soum nous sommes le 12 décembre 2023 l'armée en opération escorte des populations de Fili Fili et de Gordier 15 km de nos pas Ces fournaises de l'enfer terroriste qui enveloppait des familles entières. Quelques formalités
avant l'action humanitaire. Femmes, hommes, enfants et leurs biens viennent de franchir un blocus de 4 ans. Nous les retrouverons au lendemain d'une première nuit de paisible sommeil et sans la crainte d'être tués. Yang lang wo na wulan den wulan arti jud yu na wulan ngofu yibe ngara mim hay fay kota dog. Lorsque les militaires sont arrivés à Fili-Fili, c'est vers Makour qu'ils sont venus en premier. Ils m'ont dit de ne pas fuir et ils parlaient français. Je leur ai dit que c'est Fulfulde que je parle. Ils m'ont alors demandé si j'avais des armes. J'ai dit non. Ils sont rentrés fouiller et m'ont dit que ce n'est pas nous qu'ils cherchent. Ils ont voulu repartir et j'ai supplié en leur disant que s'ils partent nous laisser, les terroristes vont venir nous exterminer. Ils nous ont donc dit de ramasser nos bagages et de les suivre à Djibo. Ceux qui ne peuvent pas marcher ont été transportés à moto par l'armée. Ensuite, les véhicules sont arrivés pour nous amener tous à Djibo. L'armée a aidé ceux qui avaient des animaux à les convoyer vers Djibo. Vraiment, on a eu l'assistance nécessaire. Même nos bagages ont été transportés par l'armée jusqu'ici à Djibo. Le vieil homme, sa communauté sont au total 551 personnes. Des otages dit-on ici gardés sous le blocus des terroristes qui avaient interdit aux habitants de Fili-Fili de Gordier tout mouvement vers Djibo sous peine d'être abattus. Depuis donc cet enfer des suppôts de crime, les populations n'attendaient que le seul secours de l'État depuis 2019. Et longtemps sur ces terres du désert, où terroristes et complices refusent désormais tout contact avec l'armée. Les mots ici traduisent le sentiment de dignité retrouvée, mais aussi et surtout de fierté pour les militaires en pleine reconquête du territoire. En vérité, c'est plutôt les terroristes qui nous ont vraiment fait souffrir. Et l'armée est venue nous sauver. Les militaires nous ont escortés jusqu'à Djibo, où nous sommes pris en charge. Dans le reconfort de la ville, ces femmes, tout comme leurs maris, se réjouissent de la liberté retrouvée. Pendant ce temps, le fond du Sahel a enregistré des victoires insoupçonnées, foi des populations qui s'en félicitent.